Plusieurs prédicateurs véreux enseignent à leur auditoire que ceux-ci doivent être riches en possédant les biens de la terre et ainsi ils les égarent, étant eux-mêmes égarés. Dans l'enseignement sur le contentement de la vidéo numéro 31, nous avons vu combien le Seigneur considère les richesses de ce monde. Je vous invite à y jeter un coup d'œil. Il est vrai que sous la loi de Moïse et dans l'Ancien Testament en général, les bénédictions du Seigneur étaient matérielles. Nous pouvons en avoir une idée en lisant Deutéronome chapitre 28, les versets 1 à 14. Cependant, sous la Nouvelle Alliance, les bénédictions du Seigneur sont de nature spirituelle et ce sont des choses que la terre et donc le monde ne connaît pas. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Plus encore, jetons un coup d'œil aux béatitudes. Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés car ils seront consolés. Heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Matthieu chapitre 5, les versets 3 à 12. Certaines traductions emploient le mot bienheureux, qui n'est rien d'autre que la marque de la bénédiction. En vérité, il s'agit là des bénédictions du Seigneur et parmi elles ne figure aucun rapport à une quelconque possession de biens matériels. Au contraire, le texte montre même que ceux qui sont heureux selon le Seigneur sont en manque de ces choses. Ceux qui sont les bénis du Seigneur, ce sont ceux qui raisonnent peu sur sa volonté, qui sont affligés aujourd'hui à cause de sa parole, qui sont remplis de bonté envers leur prochain, qui sont impatients que le règne de la justice de leur Seigneur soit établi partout, qui ne retiennent pas le pardon pour les offenses qu'ils ont subies, ceux dont le cœur est tout entier à Dieu, qui recherchent la paix en tout temps, qui supportent patiemment la persécution, parce qu'ils pratiquent la justice de Dieu, qui endurent toutes sortes de mauvais traitements, parce qu'ils élèvent le nom du Seigneur. C'est à eux que le Seigneur réserve sa récompense là-haut dans les cieux. En ce qui concerne le leadership, nous pouvons également entendre dans nos églises mondaines ce genre de prédication. Tu es un leader, tu dois gouverner, tu dois régner, tu es un conquérant. Et tout ça en s'appuyant sur la portion du verset de Deutéronome chapitre 28 verset 13. Tu seras la tête et non la queue, tu seras en haut et non en bas, sans toutefois lire la suite du verset. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, car ce serait une autodestruction pour ceux qui l'enseignent. Que nous enseigne Jésus sur le leadership dans le milieu chrétien? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Jean chapitre 13, verset 13 à 15. Nos leaders chrétiens n'aiment pas vraiment cet enseignement, car il est une puissante critique contre le style de vie qu'ils mènent au milieu de nous. Ils sont plutôt du genre à se faire laver les pieds. Et voici la bombe qui leur casse les oreilles. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. » Marc chapitre 10, les versets 42 à 44. Selon le Seigneur Jésus, la position d'autorité dans son Église revient à occuper la place de l'esclave, étant donc le serviteur de ses frères. Rien à voir avec le leadership mondain importé par ces prédicateurs véreux au sein de leurs entreprises appelées Église. Il est vrai que les chrétiens régneront sur la terre et nous pouvons le lire ici. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Apocalypse chapitre 5 verset 10. Cependant, ce ne sera pas avant le millénium et donc pas avant la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Apocalypse chapitre 20 verset 6. Pour finir, que nous dit l'apôtre Paul concernant les positions sociales élevées et les gains de ce monde?
moi aussi. Cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Philippiens chapitre 3, les versets 4 à 8. Paul aurait donc renoncé à son statut haut placé de pharisien dans la société juive, qui lui procurait gains et plaisirs, et cela pour suivre Christ. Et ce au point de considérer toutes ces choses comme de la boue. Inutile d'expliquer. Chacun sait combien il évite autant qu'il le peut de marcher, ou pire même, de tomber dans la boue des rues de peur de se salir.